Combien coûte la Chevrolet Camaro 2023, un des rares pony cars encore disponibles sur le marché? Évidemment, avec la Dodge Challenger qui tirera sa révérence vers la fin de l'année 2023 et avec la Mustang qui, elle, est là pour perdurer. Et on le sait, l'avenir de la Camaro est compromis. Les rumeurs veulent qu'après 2024, cette voiture-là disparaisse du marché. Et qui sait par quoi on remplacera la Camaro si, évidemment, il y a remplaçante pour ce véhicule-là. Bon, la Camaro, on connaît l'histoire. Elle est arrivée en 1967. Il y a eu 4 générations jusqu'en 2002, après quoi on a abandonné la voiture pendant 8 ans pour finalement la ramener sur le marché en 2010, où elle a connu à ce moment-là un succès incroyable. Et depuis, bien, les ventes ont fléchi et la Camaro est rendue une voiture plus symbolique pour la gamme Chevrolet. Ça se vend encore beaucoup du côté des États-Unis, mais ici au Canada, les ventes sont symboliques. Et une des raisons qui explique le faible succès de la Camaro chez nous au Canada, bien, c'est évidemment le manque de disponibilité du modèle. Les concessionnaires n'ont à peine que quelques unités par année à livrer à leurs clients. Évidemment, comme la gamme est très, très large, bien, c'est difficile de satisfaire tous les amateurs qui souhaitent mettre la main sur ce bolide-là, qui est une voiture sous-estimée, à mon avis, et qui devrait connaître beaucoup plus de succès qu'elle en a si seulement Chevrolet était capable de fournir à la demande et de satisfaire les clients qui désirent encore conduire une Chevrolet Camaro. Ironiquement, la Camaro propose une des gammes les plus larges de tout l'inventaire proposé chez Chevrolet, si on exclut évidemment les camionnettes. Il y a plusieurs versions de disponibles, tous disponibles en coupé et en cabriolet. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça commence avec une version 1LS de base, 1LT, 2LT, 3LT. Après ça, vous aurez la LT1, un moteur V8, 1SS, 2SS et viennent ensuite les versions de performance ZL1 qui, elles, sont évidemment des voitures de très, très haute performance destinées pour la piste. C'est 650 chevaux de puissance que ces voitures-là sont capables de produire. C'est quand même assez impressionnant. Mais la voiture qu'on a ici, c'est une version 2SS avec ensemble 1LE. Pour moi, la Camaro est la plus intéressante qu'on puisse se procurer. Une voiture dont le rapport prix-performance est carrément imbattable sur le marché actuellement. Évidemment, bien ici, on a une version 2SS avec quelques accessoires de luxe, mais vous pourriez aussi opter pour une version 1SS en vous passant de quelques accessoires et en obtenant une voiture encore plus intéressante au niveau du rapport prix-performance sur lequel on reviendra un peu plus tard. En attendant, la Camaro n'a pas été redessinée depuis plusieurs années. Le modèle 2023 est identique au modèle 2022. Et il faut savoir que l'ensemble 1LE, qui est l'ensemble de performance et qui est l'élément que vous voulez obtenir sur une Camaro pour véritablement avoir du plaisir au volant, bien aujourd'hui, il est désormais destiné qu'aux versions SS et qu'aux versions ZL1. Par le passé, il était possible d'obtenir un ensemble 1LE sur une version à moteur 4 cylindres, sur une version à moteur V6, mais ce n'est plus le cas désormais. Chevrolet, évidemment, qui est en manque de pièces et qui a cessé pendant plusieurs mois la production de la Chevrolet Camaro, bien, a décidé tout simplement de conserver les ensembles 1LE que pour les voitures obtenant les mécaniques les plus performantes, donc version 1SS, 2SS et les modèles ZL1. Alors, qu'est-ce que ça comprend, l'ensemble 1LE? Il y a beaucoup d'éléments. D'abord, vous allez avoir esthétiquement plusieurs éléments qui changent. La partie avant, la jupe de bas de caisse, l'aileron arrière, jantes de 20 pouces avec des pneus Goodyear Eagle F1 de haute performance. Les jantes qui sont évidemment noires, comme le capot d'ailleurs. Ça, c'est une autre signature visuelle de la Camaro avec ensemble 1LE. Vous aurez les freins Brembo de très, très haute performance, donc des freins à 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Suspension sport, suspension magnétique également. Ça change énormément la conduite du véhicule. Il y a différents modes de conduite sur la Chevrolet Camaro avec ensemble 1LE. Alors, c'est vraiment une suspension qui vient changer complètement le comportement de la voiture, autant sur route que sur piste. Et sachez-le, c'est une voiture qui, sur la piste, est capable de se débrouiller de façon impressionnante. La Camaro avec ensemble 1LE, c'est une des voitures les plus méconnues des amateurs de performance sur un circuit. C'est une voiture qui va éclipser, par exemple, une Mustang GT avec un ensemble de performance et même la Nissan Z de nouvelle génération, qui est une voiture tout aussi rapide que cette Camaro-là, mais qui n'a pas l'agilité et la maniabilité de cette voiture-ci sur un circuit. Ça, c'est certain. Vous allez obtenir aussi le différentiel à glissement limité électronique sur l'ensemble 1LE, échappement sport double, dont la sonorité est franchement intéressante. Les sièges Recaro à l'intérieur qui vous gardent bien en place, qui sont étonnamment confortables aussi. Et si vous optez pour un modèle 1SS, bien, vous allez avoir
la visualisation tête haute qui est livrée de série sur l'ensemble 2SS, des accessoires comme ça. Dans l'habitacle, ça ne change que peu, honnêtement, mais au niveau de la conduite, l'ensemble 1LE est un must et c'est un groupe d'options qui coûte 8 495 $, mais qu'il faut considérer si on veut véritablement obtenir une voiture de performance. Parce qu'autrement, vous pourriez opter pour une version à moteur 4 cylindres, à moteur V6 ou même à moteur V8, mais sans ensemble 1LE et obtenir une voiture plus conviviale au quotidien, une voiture qui se comporte de façon moins violente parce que c'est une voiture qu'il faut apprivoiser lorsqu'on opte pour l'ensemble 1LE. Et certaines personnes pourraient, par exemple, choisir d'opter pour une version 1SS et 2SS avec siège de cuir, avec tous les accessoires de luxe à bord pour obtenir une conduite plus conviviale, mais avoir le même niveau de puissance sous le capot, c'est-à-dire un V8 de 6,2 litres qui fait 455 chevaux, 455 livres-pieds de couple et qui permet à la voiture de boucler un 0-100 km/h en 4,7 secondes, du moins avec l'ensemble 1LE, puisque si vous optez pour une version SS ou LT1 régulière, bien, vous n'aurez pas la même traction aux roues arrière parce que les pneumatiques sont évidemment différents. La Camaro, on l'achète évidemment pour son niveau de performance, pour l'agrément de conduite. Et je vous dirais que la mécanique dans cette voiture-là, c'est un des éléments les plus intéressants. C'est un gros V8, 6,2 litres, très performant, un moteur qui est bien rodé, un moteur qu'on connaît depuis des années, qui est très fiable également. J'aurais beaucoup plus confiance en cette mécanique-là qu'en de nouvelles mécaniques qu'on va obtenir chez des Allemands, où évidemment la technologie est plus poussée, mais où les risques de bris et où les coûts d'entretien sont énormément plus élevés que ce qu'on obtient ici. Et c'est quand même sérieux comme mécanique, là. 455 chevaux, 455 livres-pieds de couple. On a une boîte manuelle Tremec qui est très, très, très efficace. Qui est précise, qui est agréable à utiliser. Et je vous dirais qu'une fois qu'on est installé à bord, bien sûr, là, la visibilité est épouvantable. Je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Il faut s'y faire, il faut s'y adapter. Il faut d'ailleurs peut-être même modifier sa position de conduite pour avoir une visibilité qui est intéressante. Mais il n'en demeure pas moins que la Camaro, c'est une voiture très agréable à rouler et qui a un niveau de performance incroyable. Dans le cas de la version 1LE, bien, c'est encore mieux parce que vous allez avoir une voiture qui, sur circuit, est capable d'éclipser à peu près n'importe quoi qui serait vendu au même prix que cette voiture-là. Je parle de la Ford Mustang parce que, à mon avis, pour aller chercher une Mustang équivalente à ce que cette voiture-là est capable d'offrir, il faut passer à la Mach 1. Et la Mustang Mach 1, par rapport à une Camaro SS 1LE de base, c'est 23 000 $ de plus. Alors, c'est quand même pas rien. Bon, évidemment que la Mustang est livrée avec davantage d'équipement, mais le rapport prix-performance de la Camaro SS 1LE, il est imbattable. C'est une voiture franchement intéressante à conduire sur un circuit. C'est cloué au sol. Évidemment que les pneus, vous allez les changer chaque saison parce que ça va durer 10 000-12 000 km au maximum. Ce sont des pneus Eagle F1 très, très, très performants. 305 au niveau de la semelle arrière. Donc, il y a énormément d'empreintes au sol. Mais pour du circuit, c'est vraiment une bagnole impressionnante. Il y a de petits compromis à faire, évidemment, sur route parce que, évidemment, ce sont des pneus qui font en sorte que la voiture est plus bruyante. On entend les bruits de roulement sur la route. Et s'il y a des vallons dans l'asphalte, comme on retrouve beaucoup au Québec, bien, vous allez devoir corriger la trajectoire très souvent. Ça, c'est un petit irritant de la Chevrolet Camaro. Mais au niveau de l'agrément de conduite, c'est franchement exceptionnel. L'embrayage est précis. La boîte manuelle, elle est super intéressante à exploiter. Et je vous dirais qu'un élément que j'aime beaucoup aussi, c'est la sonorité mécanique. Ce moteur-là est agréable en accélération, mais en décélération aussi, où il y a des pétarades qui se forment. Et c'est encore plus vrai si vous êtes en mode sport ou en mode circuit, où là, l'échappement est encore moins restrictif. Alors, c'est un des éléments qui est très intéressant de cette bagnole-là, mais c'est l'ensemble de l'œuvre. Le châssis est solide, la suspension, c'est incroyable comme c'est bien balancé, comme ça fait du bon boulot. On a une suspension magnétique, il faut encore le mentionner. Donc, ça va changer selon le mode de conduite que vous allez sélectionner. Et au niveau de la précision de la conduite sur un circuit, c'est franchement intéressant.
Il existe évidemment d'autres versions de la Chevrolet Camaro. Bon, la version ZL1 avec ensemble un LE, c'est ce qu'il y a de plus poussé. C'est une véritable machine de guerre. Et ça, pour arriver avec une voiture comme celle-là, ça prend une 911 GT3, ce genre de bolide-là. Je suis très sérieux, c'est la voiture offrant le plus haut niveau de performance sous les 100 000 $. Il n'y a rien pour arriver avec une voiture comme celle-là. Mais disons que sur la route, c'est peut-être pas la voiture la plus conviviale qui soit. La suspension, c'est du béton armé. Et il faut être capable de gérer la puissance de la ZL1, qui est de 650 chevaux. C'est une mécanique à moteur surcompressé, évidemment, une mécanique comparable à ce que vous allez retrouver dans une Cadillac CT5V Blackwing, ancien moteur aussi qu'on exploitait dans la Corvette Z06. Alors, c'est vraiment une mécanique très, très, très puissante et ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de gérer ce genre de puissance-là. Alors ça, sachez-le. Mais on peut aussi vouloir se procurer une Camaro plus conviviale. Vous pourriez opter pour une version LT1 ou SS sans l'ensemble 1LE, où là, vous auriez évidemment la même mécanique qu'on a ici, mais sans nécessairement tout ce qui s'appelle conduite plus agressive, plus incisive qu'on obtient avec l'ensemble 1LE. Et sinon, bien, le moteur V6 de 3,6 litres, 335 chevaux est toujours disponible. C'est un choix mécanique qui est efficace, surtout si vous décidez d'opter pour une voiture d'été, pour un cabriolet qui est capable de vous offrir un rendement intéressant. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus le moteur 4 cylindres. Et je le sais, dans la tête de bien des gens, un moteur 4 cylindres dans une Camaro, ça n'a pas sa place. Mais vous seriez surpris de voir à quel point une Camaro équipée du petit 2 litres, 275 chevaux, c'est une bagnole qui est équilibrée, c'est un moteur qui est très léger, c'est étonnamment agréable à conduire et ça pourrait même faire changer la perception à bien des gens qu'on a d'une Chevrolet Camaro pour qui ce ne sont que des brutes épaisses. Honnêtement, une bagnole comme celle que je conduis présentement, c'est un véritable muscle car. Il faut vouloir endosser ce genre de bolide-là, mais une Camaro à moteur 4 cylindres et boîte manuelle, ça peut être une sportive qui, sous les 35 000 $ ou peut-être 40 000 $ si vous choisissez quelques options, peut être une bagnole très, très, très intéressante. Pensez-y, il n'y a pas beaucoup de sportives offertes dans cette fourchette de prix-là qui sont capables de vous offrir le look, l'agrément de conduite, les performances d'une Camaro de 275 chevaux. Alors, à ne pas négliger si vous êtes à la recherche d'une voiture sport, je dirais plus d'entrée de gamme. Mais ce qui est certain, c'est qu'une Camaro à moteur 4 cylindres n'aura pas l'intérêt d'un modèle à moteur V8 parce que ça, on se les arrache sur le marché d'occasion. Les 4 cylindres, c'est peut-être un peu moins vrai. Vous le voyez, à bord de la Camaro, c'est sombre. C'est un environnement tout noir. Sur des versions 1SS, 2SS, sans ensemble 1LE, on peut obtenir différentes teintes intérieures. Mais si vous optez pour un ensemble 1LE, c'est noir mur à mur. Et évidemment, il faut accepter de composer avec un habitacle qui est très sombre comme ça. Il ne faut pas souffrir de claustrophobie. Parce que, premièrement, vous le voyez, la visibilité, c'est très nul. Les piliers sont très épais. Les glaces sont très étroites aussi. Même à l'arrière, la lunette, c'est très étroit. Alors, la visibilité, c'est probablement un des pires défauts de la Chevrolet Camaro. C'est encore pire pour une version décapotable lorsque le toit est en place. Mais évidemment, lorsque vous abaissez le toit, c'est un peu différent parce que là, l'habitacle est franchement éclairé. Et pour ceux qui veulent avoir un peu plus de lumière à bord d'une Chevrolet Camaro, il y a possibilité d'obtenir un toit ouvrant. Le problème, c'est que vous allez gâcher un peu le design de la voiture puisque le toit d'une Chevrolet Camaro est incurvé au centre pour donner plus de tonus à la voiture, pour améliorer son aérodynamisme aussi. Et ça, bien, on le perd lorsqu'on prend l'option d'un toit ouvrant, malheureusement. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle je ne choisirais pas de toit ouvrant sur une Chevrolet Camaro. Donc, siège Recaro avec de gros supports au niveau de l'assise avant. La partie centrale est en suédine. Uniquement à l'avant, à l'arrière, ce n'est pas le cas. Et vous allez aussi avoir un volant qui est recouvert de micro-suède, donc pour une meilleure prise en main. Et ça, c'est un élément que j'aime beaucoup. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le Rev Match pour synchroniser
le rapport au moment de passer les vitesses. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je préfère m'amuser à faire le talon pointe, mais c'est possible de l'obtenir. Instrumentation très, très standard avec des cadrans analogiques. Et au centre, bien, vous allez avoir un écran qui est quand même assez bien fait, incurvé vers l'intérieur pour éliminer les reflets. Ça, c'est un point intéressant. Vous avez Apple CarPlay, Android Auto d'intégrer dans ce système-là. Et puisque c'est une version d'ESS, vous allez avoir une caméra de recul qui est plus performante qu'un modèle régulier. Il y a plusieurs petits éléments, d'ailleurs, qui viennent s'ajouter à la version d'ESS. Donc, climatisation automatique à deux zones. Sur une version 1SS, vous auriez la climatisation manuelle, donc c'est-à-dire que un des deux éléments rotatifs ici servirait à la puissance de la ventilation, alors que dans le cas d'une version 2SS, bien, ce sont les boutons ici qui vont faire office de puissance de ventilation pour utiliser cet élément-là. Siège ventilé, siège chauffant, on obtient ça dans une version 2SS aussi. L'élément qui est le plus intéressant avec une version 2SS, c'est le système audio Bose, très performant et qu'on ne peut pas obtenir avec une version 1SS, malheureusement. Siège à mémoire, vous allez avoir de l'éclairage à DEL dans les portières également. Quelques petits éléments comme ça qui viennent s'ajouter, mais franchement, je ne pense pas que ça vaille nécessairement la peine pour la plupart de ceux qui recherchent ce genre de véhicule-là d'aller à la version 2SS. Un modèle 1SS va vous offrir l'équipement nécessaire pour être très heureux, avec peut-être l'exception du système audio Bose, parce qu'honnêtement, dans un modèle 1SS, la qualité sonore du système audio est très ordinaire. Bon, position de conduite, c'est super. Je le disais, les sièges nous maintiennent bien en place. La visibilité, elle est épouvantable, je vous le mentionnais, mais pour conduire la voiture, pour manier le volant au niveau du levier de vitesse, ça tombe parfaitement sous la main. Ça manque évidemment de dégagement, ça manque aussi d'espace de rangement, c'est pas très bien fait. Il n'y a aucun espace dans les portières ou à peu près. La coudoir centrale, on peut le relever, mais vous allez avoir très peu d'espace ici à l'arrière au rangement. Et si vous avez le malheur d'avoir un gobelet dans le porte-gobelet qui est situé ici, bien, vous allez vous accrocher dans votre gobelet la plupart du temps lorsque vous allez passer les vitesses. Alors, c'est une voiture qui est faite pour être conduite. Ce n'est pas une voiture qui est faite pour être conviviale à l'intérieur, mais c'est quand même une voiture qui est capable d'offrir des petites places à l'arrière lorsque besoin il y a par rapport à une Nissan Z qui pourrait être, par exemple, une de ses rivales les plus sérieuses. Une voiture qui, évidemment, ne propose que deux places assises, alors qu'ici, bien, on a quatre places assises. Un des problèmes de la Chevrolet Camaro, évidemment, ce n'est pas tant son prix, mais bien sa disponibilité. Chez les concessionnaires, quelques unités de disponibles par année uniquement, je vous le mentionnais un peu plus tôt. Et comme la gamme est très, très large du côté de chez Chevrolet, bien, les clients doivent choisir et parfois faire des compromis lorsque vient le temps de commander un véhicule. Évidemment, il y a des versions plus convoitées que d'autres. Vous aurez compris qu'une Camaro à moteur 4 cylindres d'entrée de gamme qui coûte à peu près le prix d'une voiture compacte, ce n'est pas très convoité. Aux États-Unis, on en vend beaucoup plus, mais chez nous, au Canada, ce sont des voitures extrêmement rares parce que ce qu'on aime chez nous, ce sont les voitures les plus performantes, les plus luxueuses, parce que ce sont des jouets d'été, les Chevrolet Camaro, alors que dans le sud des États-Unis, évidemment, on roule ça à l'année. Donc, l'échelle de prix pour la Chevrolet Camaro, 32 543 $ à 87 478 $. Alors oui, vous pouvez obtenir littéralement une Camaro pour le prix d'une Honda Civic, 32 543 $. Boîte manuelle, 275 chevaux, avec un équipement minimaliste, mais tout de même une voiture très intéressante par rapport à son prix. Et c'est un des éléments qu'il faut retenir de la Chevrolet Camaro. Peu importe la version que vous convoitez, le rapport équipement-prix ou le rapport prix-performance est toujours à l'avantage de la Ford Mustang. Il y a un plus grand choix de version, il y a un plus grand choix de modèle, il y a un plus grand choix de moteur également, vous l'avez vu, moteur 4 cylindres, moteur V6, le moteur V8 des versions LT1 et SS, et évidemment le moteur de la Camaro ZL1. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il manque une électrique, en fait. Et ça, bien, qui sait si ça ne viendra pas un peu plus tard, mais disons qu'on n'est pas exactement là encore, parce que s'il y a une voiture qui est assez traditionnelle chez Chevrolet et qui nous rappelle peut-être des modèles du passé, c'est bien la Chevrolet Camaro.
Et pas toujours pour les bonnes raisons, parce que vous l'avez vu, sa finition, ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Il y a plusieurs petits défauts qui viennent avec une Chevrolet Camaro, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et c'est particulièrement le cas de cette version SS avec ensemble 1LE. Alors, maintenant, bon, les prix, je vous les ai mentionnés. Si vous voulez une version cabriolet, c'est intéressant, ça commence à 40 243 $. Alors, encore là, une des décapotables les moins chères du marché. Évidemment, rares sont ceux qui vont opter pour une décapotable de base, mais c'est possible de l'obtenir, du moins sur papier, parce qu'évidemment, la commander, c'est autre chose. Vous souhaitez maintenant obtenir une version à moteur V8, donc ça débute avec un modèle LT1 à 45 043 $ pour une version 1SS 49 443 $ et 5 000 de plus pour une version 2SS. Je vous ai parlé un peu des équipements qu'on pouvait obtenir dans une version 2SS un peu plus tôt. Et le 5 000 de différence pour y accéder est difficilement justifiable. Il y a certaines options comme le système audio Bose qui est très intéressant, mais lorsqu'on opte pour une Camaro, est-ce que les sièges à mémoire, c'est véritablement ce qu'on veut avoir? Et surtout avec une version 1LE, dont la visée est davantage celle de la performance que du luxe. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité des acheteurs de version SS 1LE vont opter pour un modèle 1SS et non pas 2SS. Et il faut aussi mentionner que le catalogue d'options de la Chevrolet Camaro est interminable. On peut personnaliser une Camaro selon ses moindres désirs. Il y a énormément de possibilités de jantes, d'accessoires, de décorations, de finitions intérieures, d'accessoires de performance également qu'on peut obtenir à travers le catalogue Chevrolet. Mais évidemment, plus vous êtes capricieux à ce niveau-là, moins vous avez de chances de mettre la main sur la voiture que vous convoitez parce qu'on coupe dans les pièces, on coupe dans la disponibilité de certains modèles. Et je vous dirais même que pour mettre la main sur des modèles très, très, très luxueux, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, une version 2SS, c'est ce qu'on a ici avec ensemble 1LE. Donc, prix d'entrée à 54 443 $. Et sur le modèle qu'on a ici, il y a deux options tout simplement. D'abord, la couleur Rapid Blue, 495 $, c'est une option. Et finalement, bien, l'ensemble 1LE, je vous en ai largement parlé. Alors ça, c'est 8 495 $ pour un total de 63 433 $, le prix de la voiture qui est ici. Vous décidez de la financer, c'est un modèle 2023, taux à 4,49 % pour une mensualité sur 6 ans, taxes incluses de 1 153 $ par mois. Et si vous décidez de louer, ce qui, à mon avis, est une très mauvaise idée, je vous expliquerai pourquoi tout de suite après, bien, le taux est à 5,9 % sur un 4 ans, 20 000 km par année pour une mensualité de 1 101 $ par mois. Et pourquoi ce n'est pas une bonne idée de louer? Tout simplement parce que cette voiture-là, c'est quasiment un investissement. Le prix que vous allez payer, vous allez le récupérer 3, 4, 5 ans après. C'est du moins ce qu'on peut observer en ce moment parce qu'un modèle 2019 ou 2020, dont le kilométrage est assez bas et dont la condition est bonne, bien, ça se vend carrément le prix d'une neuve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de disponibilité, parce que c'est difficile de mettre la main sur des unités. Alors, les gens se tournent vers le marché d'occasion et choisissent de payer le plein prix pour ces voitures-là. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui risque de changer parce que la disponibilité de la Chevrolet Camaro ne risque pas d'aller en augmentant. Bon, je vous le mentionnais aussi, c'est une voiture qui est probablement ou fort probablement en fin de carrière. Et ce n'est pas un modèle sur lequel Chevrolet met énormément d'emphase. Alors, vous êtes chanceux si vous réussissez à mettre la main sur une Camaro flambant neuve. Sachez ceci, cependant, une Camaro SS avec ensemble 1LE, c'est probablement la version la plus intéressante de toutes. Bien sûr, il y a les modèles ZL1, mais qui s'adressent à l'élite. Mais pour ceux qui veulent mettre la main sur une voiture dont le rapport prix-performance est carrément imbattable, je pense qu'une version SS 1LE, ça vaut son pesant d'or. C'est une voiture très agréable, qui n'est pas sans défaut, vous l'avez vu. Ça vient avec plusieurs défauts, une Chevrolet Camaro. Ça vient aussi avec une image qu'il faut endosser. Ce n'est pas tout le monde qui veut être vu au volant d'une voiture dont l'image peut être considérée comme péjorative. Mais suffit de faire quelques tours de piste avec cette voiture-là pour facilement réaliser que la Chevrolet Camaro, c'est une voiture très sérieuse au chapitre des performances. Et c'est une voiture peut-être un peu plus conviviale que ce à quoi on peut s'attendre, même si le coffre est petit, même si la visibilité est nulle. C'est franchement une bagnole très intéressante.